Sœurs et frères, bonjour et bonne fête du Christ roi. En ce 34e dimanche de l'année liturgique B, nous sommes réunis en église pour louer Dieu, le remercier de tous ses bienfaits et célébrer en même temps la solennité du Christ roi qui marque aussi la fin de cette année liturgique. Cette fête du Christ roi marque également la fête de la grande chorale paroissiale de tous les chiros et de la pastorale des jeunes. Comme il est annoncé dans l'évangile du jour, le Christ est le roi de l'univers. Même s'il a subi les moqueries et les injures des soldats et des malfaiteurs, le Christ est bien le sauveur de l'humanité et reviendra aux côtés de son Père pour procéder au jugement dernier. Au cours de cette célébration eucharistique, prions Dieu de nous donner la grâce de suivre le chemin que nous a tracé son Fils Jésus, le roi par excellence, venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. À présent, mettons-nous debout pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous voici rassemblés pour célébrer ce roi qui est digne de recevoir puissance, sagesse, force et honneur,
digne de recevoir la gloire et puissance pour tous les siècles. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie avec les chiros, avec le scout de la paroisse, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, cette lecture du livre du prophète Daniel nous parle déjà de la royauté de Jésus qui est éternelle et ne sera jamais détruite. Écoutons cette lecture tirée du livre de Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit. Et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans la gloire. Le Seigneur. Suite de l'Église.
Deuxième lecture. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, revêtu de puissance et de gloire. Le Christ est donc le Tout-Puissant. Par amour pour nous, il est mort afin de nous libérer du péché et de nous obtenir le salut. Écoutons cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 1er, les versets 5 à 8. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui gloire et puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara : Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit : Alors, tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonne fête du Christ, roi de l'univers. À tous les kiwos, je souhaite bonne fête. À tous les scouts, je souhaite également bonne fête. Et à tous les jeunes ici rassemblés, je souhaite bonne fête. Merci. Aujourd'hui, nous sommes au 34e dimanche, et ceci le dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dimanche prochain, ce sera un autre temps. Ce sera le temps de l'Avent. Ce sera une autre année liturgique. Ce ne sera plus l'année B, mais l'année C. Donc nous sommes au dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et en ce dernier dimanche, l'Église nous propose de méditer sur le Christ roi de l'univers. Un Christ roi. Et puisque nous sommes des chrétiens, dire que le Christ est roi, c'est dire également que nous sommes des princes, princesses, parce que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. En ce 34e dimanche, la liturgie nous propose de méditer sur la péricope évangélique de Saint Jean, où Jésus accepte qu'il est roi. Mais un roi, non pas à la manière des autres rois, non pas à la manière du monde, mais un roi divin. Les Juifs du temps de Jésus, même avant Jésus, attendez la venue d'un roi, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui vient avec son armée pour pouvoir détruire les autres armées et prendre la relève et prendre sous son contrôle tous les royaumes de la terre. Voilà à quoi les Juifs s'attendaient. Mais Jésus, contrairement à l'attente des Juifs, n'est pas ce roi. Il n'est pas ce roi parce que sa royauté, son royaume n'est pas de ce monde, n'est pas ici-bas. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui avons suivi Jésus, nous appelons pour nous capables de faire partie du royaume ça, vivre dans le royaume ça, vivre pour le royaume ça. Malgré c'est difficile pour nous capables de rentrer et demeurer, rentrer c'est facile. Mais rester, demeurer dans le royaume, ça, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est encore plus difficile lorsqu'on est jeune. Parce que comme jeune, la vie, le monde, nous offre des opportunités qui tendent à nous aider à faire fille de Dieu. Et pourtant, on est vraiment fils et filles lorsqu'on reste attaché au Seigneur des Seigneurs, au Dieu des Dieux, au roi des rois. Le roi que nous célébrons aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Qui est-il? Jésus, oui, est le Fils de Dieu. Il est totalement homme et totalement Dieu. Sa royauté se mesure avec l'amour, donc sa royauté est incommensurable. Dans la royauté de Jésus, dans le royaume de Jésus, c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui domine. C'est l'amour qui fait loi. Pour dire qu'il est roi, non pas à la manière de ce monde, non pas à l'idée, à la philosophie des royaumes de ce monde, mais il est un roi divin à la manière de son Père. Sa tendresse dure à jamais. Sa tendresse est pour tout le monde. Ce roi est compatissant. Il sait compatir à nos souffrances, à nos douleurs. Il sait compatir à nos inquiétudes. Comme jeunes, nous avons des rêves. Que ce soit Kiro, Scout, ou quel que soit le jeune qu'il y a, qui est dans cette assemblée, ou qui nous écoute, nous avons tous un rêve à réaliser. Nous avons tous des projets à concrétiser. Donc ce roi
il est là pour nous aider. Il veut que nous soyons heureux. Ce que veut ce roi pour nous, c'est notre bonheur. Et pour avoir ce bonheur, il faut rester dans ce royaume. On ne peut pas trouver le bonheur en dehors de Jésus. Beaucoup de jeunes font cette erreur de chercher le bonheur en dehors de Dieu. Non, on ne peut pas trouver le bonheur en dehors de Dieu. Parlant de bonheur, nous savons qu'il y a un phénomène qui fait son petit bonhomme de chemin dans notre société, dans notre réalité comme haïtien. J'aimerais que trois personnes s'avancent ici. Je voulais avoir un kiro, un scout et un jeune qui n'est ni kiro ni scout. Un kiro, s'il vous plaît, approchez, mais un jeune, hein? Un kiro, un scout, un jeune. Voilà, il y a un kiro qui s'approche. Maintenant, un scout. Je connais un scout au papier moun. Je vais monter devant l'hôtel là. Je connais un scout au papier moun. Voilà, un garçon. Maintenant, un jeune qui n'est ni kiro ni scout. Voilà. Aujourd'hui, en ce solennité du Christ, roi de l'univers, le pape François a déclaré cette journée comme journée mondiale de la jeunesse. Et heureusement, nous avons trois jeunes parmi nous, trois jeunes haïtiens. Nous disons haïtiens parce que il n'y a pas d'actualité dans le temps, ça. Nous comptons comment le hein? Timon, m'attendez, non? Nous tous jeunes qui là, qui ça qui fait actualité? Timon 2000. Meilleure façon pour un jeune converti, c'est les gros autres jeunes qui approchent. Les jeunes capables d'entraîner un autre jeune dans l'erreur très facile. Affaire aux 10 amis, par contre, 4 amis, c'est pas vrai. Un jeune capable d'entraîner un autre jeune dans l'erreur très facile. Tout comme un jeune capable de changer que un autre jeune très facile. Être jeune parmi les jeunes et être un artisan de paix, d'amour parmi les jeunes. Comme jeune qui vient de l'église, comme jeune qui est dans le groupe, c'est responsabilité jeune ça y a. Et jeune ça y a pour distinguer parmi toutes jeunes qui gagnent dans le monde, dans le pays, dans la communauté. Parce que ces jeunes portent le flambeau de l'amour. L'amour de ce Christ, roi de l'univers. Je vais demander au chaque pour un micro pour moi, s'il vous plaît. Parmi tout ça, nous comptons des abdis de Timoun de Milio. Nous, chaque abdim, yon, nan bagay yo. Ils ont accusé Timon 2000. Ils sont seuls. Nous avons dit qui ça nous contentait, ils ont dit de Timon 2000. On commence, oui, avec celle qui est de l'autre côté. Ma fille, comment tu t'appelles, hein? Je m'appelle Mila Ouidza. Comment? Mila Ouidza. Ouidza. Voilà. Qui sont contentés, ils ont dit de Timon 2000. Mam yon, nan tout sa kondade yo akuse yo. Timon 2000 show? Sa ou gen? Yo show. Je n'entends pas. Yo show. Nou tade sa l'di ya? Ki sa l'di? Yo show. Timon 2000 yo, yo show. Voilà, très bien. Maintenant nous prenons yo l'autre jeune, peut-être Timon 2000 tout. Ou abdi nou, skout la, ki sa otande, mam yon nan tout sa otande yon akuse Timon 2000 yo. Yo reme fè foto toutouni. Yo reme? Fè foto toutouni. Mba fè ntade bien? Yo reme fè foto toutouni. Yo reme fè foto toutouni. Timon 2000 yo reme fè foto
tout on est. Tout ça, c'est pour tout le monde de millions. Maintenant, pour qui roi? Bon, l'autre bagaille qui s'entendait, il dit de tout le monde de millions. Il dit, il n'y a pas bon. Comment? Il n'y a pas bon. Vous entendez? Dis le plus fort. Il dit, il n'y a pas bon. Il dit, tout le monde de millions, pas bon. Il dit, il n'y a pas bon. Il dit, il y a chaud. Il dit, il faut voter tout tenu. Et il dit, il n'y a pas bon. Il y a pile l'autre accusation qui fait ça. Je vais vous assembler à vous. Qui est-ce que vous avez dit de vous encore? Hein? Je vais vous dire qui vous avez dit. Il n'y a pas de faire manger. Qui est-ce encore? Hein? Il n'y a pas sous l'école. Il n'y a pas sous l'école. Qui est-ce encore? Il y aurait mes programmes. Qui est-ce que vous avez dit de vous encore? Hein? Comment? Il y aurait mes grands mounes. C'est ça? Voilà. Donc, si tu apprends à parler de tout le monde de millions, nous pas fini. Donc, on fait un campionnat pour tout le monde de millions. Mais quand il y a tout le monde que jeune Sayo, il y a bail, chaque là, il y a un conseil à tout le monde de millions. Si là, bon, qui voit, tu dis que tout le monde Sayo, yo, comment vous avez ça? Vous avez encore? Yo, pas bon. Yo, pas bon. Qui conseille? Vous avez dit, yo? On dirait que on prend micro ça plutôt. Parce que micro ça n'a pas un bon volume. On dirait que vous avez un conseil avec Timon Sayo ou dit qui pas bon. Ou c'est jeune. Ou c'est peut-être Timon dans la catégorie 2000, yo. Oh, pendant que l'église là. Pape François, invitez-nous à célébrer la jeunesse. Donc, on est jeunesse là, c'est avenir en pays. Donc, on est jeunesse là, s'il pas bon, s'il mourit. C'est tout pays qui pas bon, c'est tout pays qui mourit. Pendant que jeune Sayo, qui est dans le groupe jeune, qui est au scout, c'est le groupe jeune, et l'autre jeune, ça qui est dans le groupe choral, nous allons jeune parrain, nous au conseil de Sayo accusé. Et que n'a proposé des chemins à suivre. Qui conseille au rabbi Timon que vous dit qui pas bon yo? Conseil pas, c'est que la souhaiter au prendre l'école yo au sérieux et puis yo suspend ses photos là sur les réseaux sociaux. Vous êtes capable? Non pas attendez trop bien. Vous êtes capable de tirer le cachet un tout petit et puis vous êtes capable de plus fort. Conseil PAM, c'est que je souhaite prendre l'école au sérieux. Je suis en faire photo tout le monde sur les réseaux sociaux pour être capable de critiquer encore. Voilà. Conseil que Kiroabay, c'est suspendre faire photo tout le monde, prendre l'école non, au sérieux pour suspendre critiquer. Non. Est-ce que c'est un bon conseil? Oui. Ne pas de bravo pour lui. Merci. Et maintenant, avec le scout, qui a dit qu'il aurait même fait photo tout au nez, tout va vrai? Qui conseille, quoi, bye? Bon, conseil, Pam, c'est comment il faut comporter dans la société. Et quand les gens peuvent habiller et puis mettre l'école en premier. C'est parce que mon conseil là, c'est quand les gens peuvent habiller et puis prendre l'école. Au sérieux, c'est un bel conseil quand même. Quand les gens peuvent habiller, parce que le corps est le temple de. Je n'entends pas. Le corps est le temple de. Le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu. Est-ce qu'on a pas de bravo pour conseiller ça? Ok, merci. Et maintenant, on apprend l'autre jeune qui parle à Nico, Nicoral. Capdino qui conseille, alors lui-même dit que Timon est chaud. Par contre, si vous avez la fièvre, par contre, si c'est la température quoi, qui monte, qui est trop haut, mais il dit que chaud. Qui conseille vous pour Timon Zayo? Bon, conseil moi pour les jeunes qui suivent sur tous les réseaux sociaux, qui suivent moi là, c'est pas l'image nous qui a fait, il dit nous qui s'ennuie. Non seulement il a critiqué nous, mais c'est. Mettez que nous, si on jeune et ça que nous gagnons pour nous faire, c'est
mettez-nous en application et bâillons bon conseil dans la façon dont nous y est. Jeune Jodi a besoin d'un encadrement spirituel. Non seulement les besoins spirituels, mais pour les parents et l'entourage. Il faut que nous connaissions nous-mêmes qui sommes président, vice-président, sénateur demain pour le pays. Donc, cherchez à comporter nous d'une autre façon. Voilà. Merci. Merci. Vous tournez à vos places, gagnez vos places. C'est nous-mêmes qui avons payé. Nous avons gagné prêtre, chercheur, sénateur, député, président. C'est depuis aujourd'hui pour nous capables de conformer nous et comporter nous comme filles et fils de ce roi, de ce grand roi. Sachez que Dieu vous aime. Sachez que vous faites partie de ce royaume. Et dans ce royaume, il y a la crainte de Dieu. Dans ce royaume, il y a l'amour. Dans ce royaume, il y a le sens de responsabilité. Comme jeune, vous portez en vous beaucoup d'avenir. Restez attachés au Christ. Vivez l'évangile. L'évangile du Christ. L'évangile qui donne vie. L'évangile qui peut assurer votre avenir. Ne détachez-vous jamais de Dieu. Restez dans ce royaume. Bon Dieu, voulez bonheur, non? Jésus, c'est vrai, il n'est pas un roi, même Jacques, tout l'autre roi. Et c'est roi ça même pour nous suivre. Tout l'autre royaume, moi, je fais une comparaison tout petit entre Jésus avec l'autre royaume pour être capable de comprendre de quelle royauté s'agit-il. Jésus, c'était un roi qui fait dans une étable de la pauvreté. Mais l'autre royaume, il fait dans un grand palais. Mais Jésus, pas comme ça. L'autre royaume, il grandit dans un palais entouré de beaucoup de personnes. Mais Jésus, il était grandi dans un village qui était pauvre, avec maman. Et tantôt, il y a Nazareth, tantôt, il y a en Égypte, tantôt, il y a Galilée. Il n'y a pas de côté pour le territoire. L'autre royaume, il y a un pile garde qui a veillé, un pile soldat qui a veillé. Mais Jésus, il était seulement gagné 12 disciples, 12 apôtres qui étaient plus proches de lui, qui ont marché ensemble avec lui. Avant de attaquer un roi, il y a un pile soldat qui l'a pour défendre roi ça. Et même la vie par yo pour ne pas rien. Mais rappelez-nous, les Jésus ont été attaqués. 12 disciples ont couru quitter. Ce roi est resté seul. Dans l'intronisation du roi, ils ont fait dans un cour royal. Ils ont fait dans un bel endroit, un bel espace, et que tout le monde rassemblé pour célébrer l'intronisation. Mais l'intronisation du roi Panouan est faite sous la croix. Pendant que deux bras le pendaient, mais pour manifester l'amour gagné pour l'humanité. Et ça fait nous dire. La croix et la gloire. C'est sur la croix que l'amour de Dieu a manifesté pleinement. Donc ce roi n'est pas comme les autres rois. Nos gros festivités royaux à réaliser, jour d'intronisation, c'est beau boisson qui coulait, c'est un pile du vin qui coulait, c'est fait. Mais roi, ça, qui ça t'est coulé, l'elle t'a intronisé, c'est sang et l'eau qui t'est coulé, l'elle t'est transpercé beaucoup de lit. Tout roi, il y a une couronne sous tête. Roi ça, et ce, l'endi couronne, c'est couronne en or. C'est pas n'importe quelle couronne. Mais Jésus, il était une couronne sous tête et tout. Mais c'est une couronne épine. C'était piquant, c'était pingouin qui était mis sous tête. Tout l'autre roi, plus capable de remplir le royaume, plus capable de remplir la population, de remplir le peuple, il fait la guerre, plus capable de battre. L'autre royaume, puis capable de prendre armée roi sa yo. Mais Jésus, il ne nous propose pas la guerre. Son royaume est un royaume de paix. La paix, je vous donne, la paix, je vous laisse. C'est un roi de gloire. Mais par contre, tout l'autre royaume, il y a autant de commencé, il y a autant de fini, parce que l'homme n'est pas éternel. Mais roi pas nous, hein, qui c'est Jésus.
Son amour, son royaume est éternel. Son royaume dure toujours. Son royaume dure pour les siècles sans fin. Tout royaume, il propose nous la guerre, traite. Il n'est pas capable de confier à l'autre. C'est division de tous côtés. Mais il n'est pas loin. Il propose nous une autre réalité, une autre philosophie. Ce n'est pas une méfiée de l'autre, mais c'est une remet l'autre. Et même aller jusqu'à remet, si là, qui n'est pas remet ou non. Voici notre roi. C'est roi ça, mon Dieu, ben nous. Petite lit. C'est roi ça, l'Église nous propose nous. L'Évangile du Christ, le Christ lui-même. Je dis à Fremsem, comme groupe Kiro, qui est appelé pour nous tourner modèle dans la société, ça, qui voulait être pas fini. Connaît que qui a un peu d'espoir, qui a un peu d'avenir pour nous, pour toutes jeunes. Et que nous-mêmes, comme Kiro, nous appelons pour nous mettre modèle à l'autre là. Nous appelons pour nous tracer un exemple. Mais tout jeune qui gagne et inviter tout l'autre jeune qui va dans le groupe, qui va dans le mouvement, qui va dans le choral, par comportement, non, par action, non, pour intégrer le mouvement qui roi. Nous même scoutons en majorité ces jeunes. Nous appelons pour nous donner une lumière en mettant l'autre, pour nous faire l'autre venir joindre nous. Parce que la caille nous, en mettant nous, pas de gain zixani, pas de gain mésentente, pas de gain division. Parce que la caille nous, ça que nous avons prôné, ça que nous avons montré, ça que nous avons prouvé, c'est remain. C'est l'amour qui a duré pour tout temps. Et c'est ça que fait. Avec comportement, nous devons attirer l'autre jeune, venir joindre nous. Et nous même jeunes que l'Église là, qui dit que nous sommes chrétiens, papier nous tous ensemble, nous sommes petits bon Dieu. Et comme petits bon Dieu, vous êtes vous également des reines, des rois, princes, princesses. Parce que Jésus, il partage son bonheur, il partage son pouvoir. C'est ça qui est un vrai roi. C'est ça qui est un bon roi. Tout royaume a un sceptre dans les mains, a un bâton dans les mains, puis il a dirigé. Jésus qui a un bâton, bâton ça dit son bon berger. Et c'est bâton ça qui rassemble nous. Chaque fois que nous voulons quitter Pâturel, ça, pour dire nous rentrer, c'est là que nous avons le bonheur. Pas oublier que bonheur n'est pas de l'autre côté que notre bon Dieu. Quel que soit ça, mon offrir nous, c'est pour un titan. Débarque à la belle, mon Dieu invite nous vivre. Mais attention! Pas jamais vivre sans que nous ayons bon Dieu dans la vie, non. Pas jamais vivre sans que bon Dieu n'est pas là dans tout ça que nous avons fait. Dans le projet de l'école, non. Faut que bon Dieu là. Dans le rêve que nous avons chéri, faut que bon Dieu là dans. Dans la maladie, non. Faut que bon Dieu là. Dans la famille, non. Quand des mamans, nos papas, nos frères, nos soeurs, nous y est. Faut que bon Dieu là. Dans les temps en vie, non. Faut que les là. Même dans le programme que nous bralons, faut que bon Dieu là. Faut ne pas oublier que nous sommes chrétiens et que dans le programme ça, nous pas capable de gagner des comportements. Donc, quel que soit côté nous y est, quel que soit côté nous passé, il faut que Dieu soit là, demeure avec vous. On demande bon Dieu la grâce. Donc, quand je ça, côté que l'Église là a célébré la Journée mondiale de la jeunesse, côté paroisse là a célébré Kiro, et dans tout côté dans le monde là, dimanche Christ soit c'est fête Kiro, mais pendant paroisse là tout a célébré fête groupe roi Henri Christophe Scout pour que nous connaissions bon Dieu, livre les bonheurs pour nous tous et nous chaque. Et bonheur ça, n'a pas chené dans le royaume néant. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et pour vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu est roi. Son royaume est éternel. Levons-nous et professons notre foi en ce Dieu qui règne pour toujours. Je crois en Dieu. À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair.
et à la vie éternelle. Amen. De seul cœur, d'une seule et même foi, adressons à Dieu nos humbles prières et avec chaque intention, nous chanterons ensemble. Seigneur Jésus, toi le roi de l'univers, nous te prions pour les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres. Donne-leur la force et le courage de veiller et de prendre soin de tes brebis. Ensemble, implorons le Seigneur. Jésus, toi dont la royauté n'est pas de ce monde, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, spécialement ceux de notre pays, afin qu'ils se laissent guider par ton amour et que leur jugement soit basé sur la justice et l'amour. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur Jésus, toi l'alpha et l'oméga, nous te prions pour les malades et pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils gardent toujours espoir en ta tendresse et ta miséricorde. Ensemble, implorons le Seigneur. Jésus, nous te prions pour les membres de la grande chorale paroissiale qui fêtent leur premier anniversaire. Donne à chacun d'eux la grâce de la persévérance dans cette belle mission que tu leur as confiée. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur Jésus, toi le seul vrai roi, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour la grande chorale, pour tous les chiots du monde entier, pour tous les jeunes et pour nous ici présents. Aide-nous à vivre chaque jour selon ta loi d'amour et de travailler pour que ton règne arrive. Ensemble, implorons le Seigneur. Thank you.
prions encore pour le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Yeah.
Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes. Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'éternité et de la paix. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité. Règne de grâce et de sainteté. Règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oh,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur les membres du groupe Kiwo et les jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue de notre roi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit : je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers et frères bien-aimés, en cette solennité du Christ, roi de l'univers, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Oh.
Prions ensemble le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Chita tout coûte, pour yon ti annonce tout coûte. Jeudi dimanche 21 novembre blanc, qui c'est dernier dimanche de l'ordinaire année B, qui c'est également la solennité du Christ roi de l'univers, matin, grande chorale paroissiale Notre-Dame d'Altagrâce, t'es chanté et célébré première année de fondation yo. Je dis à nous connaître que ces fêtes qui vont, toutes qui vont pas de yo, tout comme qui vont de l'autre côté, ces fêtes groupe scout Henri Christophe, c'est journée mondiale de la jeunesse. Et ni scout, ni qui vont, ils étaient dans Messa, et ensemble avec eux, nous disons bon Dieu merci, en bachonko, bravo, bon Dieu, bonne fête. Marie, mais bravo ça même, ça trop fait. Maman, gros, gros bravo, hein. Voilà, dis-moi bonne fête. Merci, Ampil. Donc, on est une réalité qui gagne dans la paroisse Altagrâce dernier temps, ça y est. C'est que l'église, bon Dieu, quand est maman, maman Altagrâce, l'est coulé. L'est besoin de réparation. Ça veut dire qu'il est important pour nous tous pour décoller, pour nous bailler ça nous gagner, pour que maman nous soit capable de réparer, pour que maman nous soit capable de venir plus belle. Donc on est des pensions en pile. Nous avons besoin pour nous faire travail, pour la droiture, nous gagner pour nous réparer le plafond. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons contribuer pour que nous soyons capables d'avancer à travail réparation. Donc dans ce sens, dimanche, 28 novembre,
à partir de 5h30 dans l'après-midi, dimanche prochain, 5h30. Nous avons eu un gros concert dans l'église là, avec la grande chorale paroissiale, en pile artistes invités. C'est un concert Téléthon qui permet de nous collecter un pile corps pour nous faire travail là. Ou même qui va venir, donc on est capable de rester la caillou pour brancher Radio Télé Al d'Agrasse pour capable suivre le concert ça la caillou. Donc dimanche, 5h30. Mettez un petit minute sur le téléphone pour capable faire plan internet. Conseil M. Nagabanou, tant pour nous rater le concert ça, préférez nous commencer à charger le téléphone depuis samedi soir. Nous faisons tout samedi à nous pas ouvrir le téléphone. Nous faisons tout dimanche nous pas ouvrir. Nous allons ouvrir à 5h pour nous faire plan pour qu'à 5h30, pour le monde qui va venir là, capable de brancher télé pour que nous soyons capables de suivre le conseil et participer à ce que nous avons. Nous voulons partager le conseil également à tout le monde que nous gagnons, qui sont amis, qui proches nous, pour tout le monde capable de vivre le conseil ça. Et puis, by participation par nous, même en ligne. À bien en pile, télé, sœur, radio, sœur, capable avec nous dans le conseil là, une façon pour plus de monde capable de vivre bel événement ça. Lundi 29 novembre, c'est l'ouverture de la neuvaine à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Nous pourrons vivre tant force à en communion à toute paroisse chapelle qui est dédiée à Maman Non, Maman Immaculée. Gagné plusieurs mariages pour mois décembre. Jean-Renel à Yves Tatelfort, Wilkins Clizo à Guylande Alfred, François Menard Calypso à Corjula Martino, Jacques-André Casséus à Vanessa Senatus, Rénal Zicolaguerre à Natacha Timothée, John Mac Lemeuble à Michel-Ange Lubin, Balthazar Élisée à Marie-Angelaire Pierre-Louis, Abgien Duquesne Salomon à Kimberly Pierre-Louis, Abgien Canary Viltus à Fabiola Lafaye, Abgien Libanès Raymond à Rose Dite Valentine Dorval, Abgien Eudel Frédéric à Marie-Nicolas Lamotte, Abgien Franson Bernadel à Sophia Divina, Abgien Johnny Noël et Gerda Lui, tout le monde s'est marié en décembre. Donc si Abgien y a un empêchement, pas fait que les gens vont faire comme ça le plus tôt que possible. Abgien rencontre pour groupe Opération Altagrasse de Milio. Il est la fête. La fête. Tout de suite après Messa, matin, dans la salle Émile Jordanien. Donc, c'est rencontre avec tout membre opération 2000 Altagration. Hein? Membre opération 2000. Hein? C'est même 2000 là. Hein? Donc, il y a une rencontre pour eux. Une fois encore, nous dit groupe là, scout, bonne fête. Nous disons chaque kiro et tout kiro, bonne fête. Père Colin Noël, c'est lui qui est responsable kiro. Il fait plusieurs années dans kiro, c'est dans kiro le grandit. Moi-même, tout, je fais plusieurs années dans kiro, pratiquement 14 ans. Je m'entraîne dans kiro tout petit et c'est dans kiro que je grandis. Donc, kiro sont bel mouvement, tout comme scout, tout sont bel mouvement. Il y a un jeune qui peut connaître dans kiro, qui peut connaître dans scout. Je encourage nous. Rentrer dans le mouvement, rentrer dans le groupe, pour nous capables, même j'en avais paix après quelques années. Par contre, si tout le monde de milieu, il y a là des paix, même qu'on est en pile, qui a rentré dans paix. Un bâton, bravo pour ce coup de est là avec Kiro, pour nous dire bonne paix. Merci, merci, merci. Et qu'on y a campé parce qu'il a couru en pile pour nous capables de prendre bénédiction finale. Avant de recevoir bénédiction, bonne fête à Carl Heinz Viltus, Sylvie Lonel, Darlene Laguerre-Michel, Dr Edmond Gay, Eddie Metellus, Edouard Erlin, Emmanuel Frédéric, Franck Manessa, Jean-Pierre Leslie, Joseph
Daïfka, Marie-Nadège Mathieu, Marie-Sylvie Vanginet, Moïse Wadé Christian, Nazli Harvey Lodorval, Pierre Maxime, Pierre Rosandré, Stéphanie Saint-Louis, Yamile Maos, Yves Alex Joseph, Marvins Guérisma, Docteur Hernard Saint-Gilus, Dieudonné, Jonathan Barthelmy, Antoine Léventil. Tout le monde s'est célébré l'anniversaire de naissance. Et qu'on est là, on dispose de nous pour bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À nous chaque, à nous toutes, on dit nous bonne fête du Christ, roi de l'univers. Merci mon Père, pareil. Merci, bon dimanche et bonne semaine. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.